Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro du magazine géographique IDEIL consacré aux initiatives et au développement dans les îles du Ponant. Pour poursuivre cette analyse de l'entrepreneuriat et des dynamiques insulaires, nous avons réalisé ce carnet de terrain au mois d'octobre à l'île d'Aix. D'une superficie d'un peu plus de 1 km carré, l'île d'Aix fait partie des petites îles. C'est la plus au sud des îles du Ponant. Elle appartient au département des Charentes-Maritimes. Elle se situe entre les îles de Ré et d'Oléron. Cependant, seule l'île d'Aix fait partie de l'association des îles du Ponant, car les îles de Ré et d'Oléron sont reliées au continent par un pont. L'île d'Aix est accessible en 20 minutes de bateau, au départ de Foura. Cet ensemble d'îles charentaises compte également plusieurs îlots, dont le Fort Boyard, qui est rattaché à la commune de l'île d'Aix. Nous sommes allés rencontrer Pierre-Antoine Bernard, auteur d'un livre sur l'histoire de l'île d'Aix, pour qu'il nous explique, à partir de documents cartographiques, comment ce passé a marqué le territoire actuel. Alors cette première carte, c'est la plus ancienne, si j'ai bien noté. Tout à fait. Cette carte est la première carte jamais dessinée à un moment où l'île d'Aix est dans une phase de déclin. Après avoir été, grâce aux moines de Cluny, un lieu très, très riche d'histoire, d'art. On voit bien qu'il n'y a aucune fortification encore sur cette île. Il y a 4 ou 5 maisons. On est presque au moment où va se décider la construction du port et de l'arsenal de Rochefort. Alors, ça, c'est donc le 18e qui est... un siècle très riche. L'île est à la fois point de défense pour nos côtes, mais aussi lieu de départ pour les colonies. Et on voit que les principales caractéristiques du village sont dessinées là-dessus. Les 3 grandes rues qui débouchent du champ de manœuvre sont très larges pour permettre la manœuvre des troupes. L'espace en vigne est très important. Oui, il n'y avait pratiquement pas de marins sur cette île, mais des agriculteurs, des cultivateurs, des vignerons. Napoléon est venu sur l'île d'Aix une première fois en 1808 pour inspecter l'état des fortifications, faire venir des troupes, puisque à un moment il y a eu 4000 soldats ici. Ah oui. Ce qui est significatif pour l'île d'Aix, c'est que le fort Liédo donc, se construit, s'inaugure, et ce fort va devenir un lieu de détention. Pour conclure, finalement, on peut remarquer que finalement, la partie historique la plus ancienne de l'île eh bien, conserve une valeur patrimoniale très forte qui est héritée de sa fonction militaire, alors que dans la partie nord de l'île, eh bien, l'île d'Aix là, a un développement plus contemporain et plus classique des îles touristiques. Et en même temps, la protection qui a été apportée à la zone ici par l'inscription aux différents sites de protection et l'action du Conservatoire du littoral. Pour compléter cette approche, nous sommes allés échanger avec Jean-Claude Flamand, un ancien maire qui nous explique la transition de l'activité militaire à touristique. En fait, sur les cartes, l'île d'Aix est un point en forme de fort. C'est tout petit, 129 hectares, mais c'était les militaires, il y avait quand même une présence assez écrasante. Mais c'est peut-être aussi ce qui a sauvé l'île, ce qui lui a permis aussi, à travers les temps, de perdurer et d'arriver quand même à faire vivre une petite communauté. D'ailleurs, au lendemain de la guerre, l'activité économique de l'île est tombée à plat. Alors, un trou pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les Gourgauds arrivent. Napoléon Gourgaud et sa riche épouse Eva Gebhardt débarquent sur l'île en 1925 suite à la lecture d'un article décrivant l'île comme un lieu sur le point de mourir. Le couple se passionne alors pour l'île, fonde la société des Amis de l'île d'Aix, achète de nombreux bâtiments qu'ils occupent, transforme en logements et crée les musées napoléoniens et africains. Ça marque un tournant dans l'île. Il fallait de la main-d'œuvre pour l'hôtel, pour le restaurant, pour entretenir leur maison. Donc ça fait une petite vie.
à mesure que des amis venaient, ben, d'autres venaient, et puis peu à peu ça s'est démocratisé. Alors à mon arrivée en 1950, en bon continental que j'étais, on s'est retrouvé plongé dans un milieu insulaire, encore un peu en retard par rapport au continent. C'était quand même, l'île était encore isolée. D'abord, il n'y avait qu'un passage par jour à la marée haute. Et en plus, nous sommes arrivés sur l'île, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Sur le plan commercial, il y avait deux épiceries qui vivaient bien. Alors, bien sûr, les épiceries ont suivi un petit peu le mouvement. Outre l'épicerie traditionnelle, ben elles sont tombées dans les cartes postales, dans les babioles de souvenirs. C'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, ben là, après, on arrive au cours des années 60. Il y a eu le coup de génie de Gallet, qui a lancé son entreprise de coquillages. Et là, ça a été un démarrage assez fulgurant. Et il a vite employé 15 ou 20 personnes. Et ça a été un coup de génie. Hein. Des pôles d'attraction qui pouvaient créer une petite animation et du personnel. C'était la colonie de vacances. Il y a des générations de gamins de la région de Limoges qui sont venus en vacances à l'IDEX et qui finalement sont revenus après, et parfois même il y en a qui sont installés. Selon l'INSEE, l'île compte aujourd'hui 241 habitants. Durant la saison touristique, on estime à 5000 personnes la population présente. Elle est multipliée par 20. En analysant les caractéristiques des entreprises de l'île, on observe en effet une importante spécialisation dans le secteur touristique, avec 27 entreprises sur 36 dans l'hébergement, la restauration et les commerces. Pour évoquer cette activité, nous sommes allés rencontrer Michel Jean, dont les grands-parents s'étaient installés sur l'île comme restaurateurs. J'ai mes grands-parents qui sont arrivés donc il y a maintenant un peu plus de 60 ans, ou 60 ans sur l'index. Donc mes grands-parents ont monté une première affaire et ensuite une deuxième. Et donc mon choix a été vraiment de rester pleinement à l'index avec maintenant plusieurs affaires donc, qui tournent toutes, dont une qui reste ouverte, deux qui restent ouvertes toute l'année, une en restauration, une en hébergement. Donc moi j'ai la chance d'avoir un fils qui arrive derrière avec qui sera la quatrième génération, qui lui a choisi de reprendre avec moi. C'était important pour vous de transmettre déjà à votre fils évidemment, mais à un insulaire. Oh bah oui, je pense que je pense que ça aurait été compliqué pour moi de vendre une affaire ou vendre des affaires à quelqu'un quelqu'un qui vient pour faire un système de cueillette, un commerçant qui choisit de prendre que la saison. Et... Comment c'est, quand ça se passe en pleine saison? Vous avez combien d'employés par exemple? Alors c'est un peu compliqué. En saison, en moyenne saison, c'est-à-dire la partie début avril, mai, juin, on est 25. Et en pleine saison, on est 40. Donc ce sont des gens qui ont besoin d'un minimum de confort parce qu'ils travaillent dur et qu'il faut absolument les loger décemment, donc c'est des surcoûts. Et j'ai 80% du noyau qui sont là minimum depuis 10 ans. Donc ça veut dire qu'on a même des gens qui sont là depuis 15 ans, 16 ans. Donc ça veut dire qu'ils n'y sont pas trop mal. Et on a aussi fixé une population de salariés qui se sont installés à l'Index, ont eu des enfants à l'Index et vivent maintenant à l'Index. Donc c'est... Et j'ai aussi eu, moi, des salariés qui ont monté leurs affaires à l'Index maintenant. Donc on peut dire que quand on fait ça, on a au moins réussi quelque chose dans sa cité, quoi. Et alors, en plus de toutes ces activités, vous avez également créé une activité innovante en organisant des mariages. Ah oui, alors ça, c'est arrivé vraiment par hasard. Il y a une dizaine d'années, on arrive à faire une moyenne de 15 à 16 mariages par saison, donc du mariage de 40 personnes jusqu'au mariage de 300 personnes. Alors la logistique est toujours plus compliquée à l'île d'Aix qu'ailleurs. Nous, on arrive à offrir une prestation, je dirais, clé en main. Ils arrivent, on leur gère l'hébergement, on leur gère la restauration. Et aujourd'hui, on a un potentiel important, je pense, sur l'île d'Aix. Et nous, 2016, on est déjà sur... à 80% complet sur les week-ends pour des mariages, essentiellement. Si l'île vit du tourisme, il existe encore des activités primaires
qui profite de la situation méridionale de l'île avec deux ostréiculteurs qui travaillent notamment les naissains d'huîtres et un vigneron. Voici le portrait de Lionel Largeau qui perpétue la tradition viticole de l'île en cultivant un demi-hectare de vignes. Alors là, on est dans le cuvier, cuvier de vinification. Cette cuve-là, c'est le blanc. Cette cuve-là, c'est le rouge qui est en fermentation. Et la petite cuve derrière, c'est le rosé. Tout est vendangé avec les habitants du village, voilà, avec les habitants de l'île. Un groupe pour les blancs, un groupe pour les rouges, avec des copains, et c'est convivial. Et après, on fait une fête des vendanges. C'est une île de garnison, une île de troupes. Donc le vin se vendait et se buvait ici, quoi. Voilà. Il devait y avoir 6 pressoirs, 6 viticulteurs dans l'île. 6 familles qui faisaient du vin. Voilà. Maintenant, je ne suis plus tout seul à reprendre. C'est prenant. Bon, il n'y a pas de stress. Parce que économiquement, c'est pas important, quoi. Alors, il n'y a pas de stress comme dans le Bordelais. Les gens qui font ça, qui ont leur vendange pour l'année, quoi. Nous, on fait attention quand même à rentrer. À faire quelque chose de bien, quoi. Il y aurait des possibilités de développement dans le vin, dans la vigne, ouais, bien sûr. Il y aurait peut-être des possibilités avec le conservateur du littoral pour louer des terrains, ou alors quelques habitants, encore des terrains dans la forêt qu'on pourrait défricher. Avec 2 hectares de vigne, une famille peut vivre ici. Faut pas oublier que le vin, l'argent est dans la poche quand le vin est vendu, hein. Et c'est pas toujours le plus facile quand même, hein. Même ici, où il passe beaucoup de touristes, si on s'en occupe pas, on ne le vend pas. Hein. Le vin, si vous allez dans le chai, il faut le proposer, il faut le vendre, il faut le commercialiser, hein, de toute façon. Hein. Sur les 36 entreprises de l'île d'Aix, seulement un tiers d'entre elles sont ouvertes à l'année. Parmi elles, l'épicerie, ouverte 365 jours par an. Nous sommes allés rencontrer Éric Levrault, le patron de ce commerce. Racontez-nous comment vous êtes arrivé sur l'île et comment vous avez pris ce commerce. Alors, il y a quelques années, en fait, mon père avait acheté cette épicerie. Et moi, quand j'étais étudiant, je venais donc juillet-août, hein, faire la saison avec lui. J'ai ensuite, j'ai travaillé toujours dans la grande distribution, en fait. Mm-hmm. Et le jour où mon père est parti en retraite, il m'a demandé si ça l'intéressait ou pas. Et le travail de la grande distribution est un travail où on nous oppresse beaucoup, et je lui ai dit « ok ». Et donc là, peut-être une particularité de l'île, ça serait cette activité qui est fortement marquée par la saisonnalité. Oui. Comment est-ce que vous gérez ce paramètre ? L'hiver, ça pose beaucoup moins de problèmes. On a un créneau d'ouverture qui est très... où on offre un service minimal. C'est-à-dire que de novembre à mars, on est ouvert 4 heures. On est ouvert que le matin, de 9h à 13h. Là, j'ai une salariée, en fait, qui m'aide dans cette tâche-là. Après, là où ça se complique un petit peu, c'est à partir d'avril, où il faut regonfler les stocks du magasin pour pouvoir subvenir aux besoins, je dirais, du gros du travail juillet-août. Hein. La saison d'avril à mi-septembre, c'est 80% de mon chiffre d'affaires, et juillet-août, ça fait 60%. Finalement, l'année représente une faible partie de votre chiffre d'affaires. Mmh. Pourquoi maintenir cette activité sur toute l'année ? Dans mon esprit, à moi, l'île d'Aix nous apporte tellement qu'on peut quand même lui en rendre un petit peu et travailler pour elle l'hiver, quoi. Socialement, c'est important de tenir ce lieu ouvert pour moi. C'est vraiment aussi du dépannage, un petit dépannage plus, hein, les gens le savent, ils font tourner l'épicerie, s'ils veulent qu'elle reste aussi, il faut aussi qu'ils sachent la faire tourner. Hein. Et est-ce que vous ressentez une concurrence avec des livraisons par Internet ou... Pour moi, c'est une concurrence importante, et c'est une concurrence qui n'emmène rien, parce que sur l'île, ça ne donne aucune taxe, ça n'amène que des déchets. Moi, on m'impose des normes pour transporter cette marchandise-là. De frais, uniquement sur le frais, hein, qui ont des coûts largement supérieurs. Et donc là, l'épicerie qu'on voit, donc, comme vous disiez, c'est du temporaire. Vous avez choisi de faire des travaux importants dans votre magasin. Oui. Racontez-nous ce choix. Alors ce choix, il est en premier lieu, je dirais, une sécurité, quoi, hein. Bon, la toiture avait des faiblesses, il fallait la refaire. La deuxième choix est un choix, quitte à faire des travaux, eh bien, autant améliorer la qualité de travail du magasin. Et donc ça a entraîné un troisième choix qui était, au vu des coûts d'investissement de refaire ces locaux-là, et ben fallait améliorer le chiffre d'affaires aussi pour payer ces travaux-là, et toujours aussi dans un but de pérenniser le service hivernal, quoi. Et regardez la technique, hein, j'avais mis des gondoles et j'ai peint autour des gondoles. Partout, hein.
Cette cloison-là va être abattue aussi. Ça va faire un magasin à peu près rectangle, on va dire. Et à cet endroit-là, là, j'ai une cave qui va être mise. On va rentrer la palette par ce couloir-là. Et là, je vais avoir le monte-charge et on descendra les palettes directes. Donc, ça arrive du camion. Ça arrive du camion. Ça va faire une cinquantaine de mètres carrés en bas. Depuis un an, un nouvel entrepreneur s'est installé. C'est le médecin. Cela faisait 3 ans qu'il n'y avait plus de médecin sur l'île. La commune cherchait un volontaire. À Nice, le docteur Laprade s'apprêtait à prendre sa retraite. Il propose finalement de s'installer sur l'île en tant que retraité actif. J'ai le souvenir, il y a 5 ans de ça, un directeur de l'ARS m'avait dit « Mais monsieur le maire, vous n'avez rien compris. Ça n'est pas au médecin d'aller au patient, c'est au patient d'aller au médecin. » Bon, alors vu de Poitiers, je pense qu'il ne savait même pas qu'il y avait une île dans la région, donc c'est un peu plus compliqué pour un patient quand il habite sur une île d'aller voir le médecin. Depuis, on a eu une écoute qui était très sensible. Les gens sont venus sur place, sont venus se rendre compte et qu'effectivement, quand on vit sur une île, il n'est pas toujours simple quand on a 90 ans de se rendre chez un médecin quand il faut prendre une journée ou une demi-journée pour 20 minutes de consultation. Il fallait, si vous voulez, pour mon maintien sur l'île, quand même qu'il y ait une certaine indemnité, en quelque sorte compensatoire, et c'est l'ARS donc, qui a opté pour la création d'un secteur, ce qui permet effectivement que je perçoive une petite indemnité lorsque je suis sur l'île. Alors la commune, pour sa part, a complètement réaménagé le cabinet médical. La mairie me met à disposition un logement. Le médecin est présent sur l'île à plein temps, durant les 3 mois de la période estivale, et 4 jours par semaine le reste de l'année. En dehors de ce facteur saisonnier, exercer la médecine sur l'île génère des spécificités dans la relation aux patients. Autant vous avez l'habitude de voir vos malades en ville, c'est bien, mais vous ne pouvez peut-être pas passer autant de temps donc, quand vous avez 10 personnes dans la salle d'attente que quand vous en avez une. C'est surtout une médecine pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on fait tout. De la cardio, de la pneumo, du digestif, de la gynéco, beaucoup de points de suture. Ici, très vite, les gens ont commencé par... m'ont vouvoyé au début, mais très très vite, ils m'ont tutoyé. En me demandant effectivement de faire exactement la même chose. C'est une chose qui, en ville, n'est pas... pas concevable. Attendez. Allez-y, regardez s'il y a des médicaments à Claudine, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur. Parce que j'allais lui porter. Ah bon, bah, voilà. Je voilà, c'est bien. Merci. Vous voyez, quand je vous dis de l'entraide, ouais. Les gens viennent. C'est une dame qui a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Ouais. Ben, si personne n'était venu, j'aurais été amené. Mais il y a toujours quelqu'un. Ça, vous ne le vivez pas en ville. Cette présence médicale constitue également un atout pour l'île et ses activités. Et on se rend compte depuis maintenant un an que nous avons un médecin sur l'île qu'il y avait un très grand déficit de qualité de soins des insulaires. Donc c'est une vraie reconquête pour les habitants de l'île. Et puis d'autre part, c'est aussi un outil pour accueillir les visiteurs de l'île, ceux qui viennent en séjour ou ceux qui seront amenés à y vivre à l'année. Pour améliorer la prise en charge médicale, la commune, le médecin et l'ARS travaillent à l'installation d'infirmières et à la création d'un service de propharmacie permettant aux médecins de délivrer directement des médicaments à ses patients. Si l'on regarde l'évolution de la population des îles du Ponant, l'île d'Aix est celle dont la population augmente le plus au cours des 15 dernières années. La rencontre avec le maire de l'île permet de comprendre les évolutions actuelles et d'expliquer cette dynamique démographique. Alain, on voit ici le continent du haut du sémaphore. Quelles sont les relations finalement de l'île d'Aix avec le continent ? L'île d'Aix est une île, comme vous le voyez, hein, là, on voit le bac qui quitte le continent là, pour rejoindre l'île d'Aix. Dans 20 minutes, il sera là. C'est une île qui est proche du continent. Donc ça permet d'avoir des liens quand même peut-être plus étroits que certaines îles, notamment dans le Finistère, avec le continent. Même en hiver, on a 5 rotations par jour, 5 allers-retours par jour. Puis l'été, on en est à presque une vingtaine. Donc les relations avec le continent sont quand même relativement simples.
Et du coup, comment ça influe sur les dynamiques économiques, socio-économiques de l'île ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ? Alors, cette proximité avec le continent, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que la facilité de pouvoir venir sur l'île, donc pour certains aussi de venir y travailler. L'inconvénient, c'est qu'on peut y venir facilement travailler, on peut facilement s'en échapper, ce qui fait que certains qui vivent, qui travaillent sur l'île à l'année, parfois n'y vivent pas. Un autre élément qu'on pourrait voir d'ici, ce qui est assez frappant finalement, c'est tous ces travaux qu'on voit un peu partout sur l'île. Oui, c'est la période. Hein, dès que le mois de septembre est passé, la dernière grande marée, puisque les grandes marées sont un événement important aussi pour les continentaux qui viennent nous rendre visite. Dès le mois d'octobre, il faut préparer l'île pour la saison touristique suivante. Mais pas uniquement la saison touristique, c'est aussi les aménagements pour la vie des habitants, pour le cadre de vie. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Alors ici, on va créer des logements sociaux. C'est un projet qui date depuis déjà quelques années. Et là, je dis souvent, quand les travaux débutent, le projet est terminé, puisque c'est... Voilà, dans un an, on va pouvoir livrer ces logements, ce sera une grande satisfaction. En face, on aménage une résidence de tourisme social pour accueillir les vacanciers et permettre ce pluralisme du public qui vient sur l'île. C'est un volet qui nous est cher, mais c'est aussi un élément de dynamique économique de l'île. Et alors, c'est la construction de logements sociaux par la commune, quelle importance est-ce qu'il y a pour la vie et le futur de l'île ? La vie et le futur de l'île, c'est que fixer des populations sur l'île, ça ne peut se faire que par l'acquisition de foncier et la maîtrise publique du foncier. On se rend bien compte qu'à chaque fois qu'une maison se vend d'un résident permanent, elle se devient une résidence secondaire. Et donc on a un petit peu de l'âme de l'île qui s'en va à chaque fois. Donc on a souhaité depuis une vingtaine d'années de lancer cette politique d'acquisition foncière, de création de logements locatifs, des logements locatifs dans lesquels on peut accueillir des populations qui vivent et qui travaillent sur l'île à l'année. Pour faire le point sur les évolutions actuelles et les perspectives de développement de l'île, on regarde les réponses des habitants à quatre courtes questions que nous leur avons posées. Quelle est la principale difficulté ou contrainte de l'île d'Aix aujourd'hui ? L'île d'Aix doit s'adapter au changement climatique et de permettre des conditions pour que les insulaires puissent vivre encore longtemps sur cette île. C'est le manque de locaux pour qu'on puisse s'organiser correctement. Il faut résoudre le problème du logement d'abord. Le problème de l'île d'Aix, c'est difficulté. Je crois qu'on est une mono-économie. Quelle activité pourrait être créée ? Services. Il y a des services à créer sur l'île, liés à ça. Lié notamment au transport. Une activité de maraîcher ou de culture de plantes aromatiques ou choses comme ça. On a un grand déficit sur les activités primaires. De personnes qui viendraient voir du continent, voire éventuellement des Iliens, que l'on formerait au maintien des personnes âgées à domicile. Des entreprises à forte valeur ajoutée qui sont liées aux technologies nouvelles. Quel serait un scénario noir pour le futur de l'île ? On n'ait pas suffisamment le temps de préparer l'évolution de l'économie de l'île vers autre chose que le tourisme. Un pont. Ah là, ça arriverait vite. Enfin voilà, si tout le monde arrive avec sa voiture, on est foutu vite. Une population qui baisse. Un tourisme qui baisse, des activités d'hiver qui ferment. Et quel serait un scénario positif pour le développement de l'île ? C'est à la fois d'arriver à garder les insulaires le plus longtemps possible sur l'île dans le cours de leur vie et arriver à faire venir des populations nouvelles qui apporteront du sang nouveau, de l'énergie dans l'île. J'aimerais continuer à la voir comme je la vois aujourd'hui, c'est-à-dire pas dégradée, au moins protégée, même surprotégée. C'est non qu'elle garde sa qualité de vie, quoi. Pour conclure cette émission, on regarde la synthèse scientifique de ce carnet de terrain. La spécialisation des activités économiques selon des cycles liés à des conjonctures humaines et liées à l'exploitation de certaines ressources, c'est un phénomène que l'on retrouve sur toutes les îles, celles du Ponant, mais comme dans d'autres îles du monde. L'île d'Aix est un très bel exemple par rapport à ça. De fait, de sa situation géographique, elle a joué un rôle géostratégique important.
Du coup, on l'a équipé avec des casernes, avec des casemates, et il y a eu jusqu'à 4000 soldats sur l'île. Aujourd'hui, bien évidemment, cette valeur géostratégique est devenue obsolète. Et en revanche, une activité qui s'est développée et qui est aujourd'hui omniprésente, c'est l'activité touristique. On est là dans le cas précis d'une île qui vit essentiellement du tourisme sur une période très courte de l'année, quelques mois de l'été. On a ici des centres de vacances, on ressent jusqu'à 2000, 2500 lits, nous a-t-on dit. Certains jours de l'année, il y a 5000 personnes qui peuvent débarquer. Au total, on estime à 300 000 le nombre de passages dans l'année et il y a 70% de résidents secondaires. Et pour pallier ces déséquilibres, eh bien, la commune met en place un certain nombre d'actions, notamment en favorisant des logements sociaux de façon à fixer une population pendant la hors-saison. Également, cherche à développer un modèle touristique qui ne soit pas simplement de consommation de l'espace, mais elle a une politique culturelle assez ambitieuse par des expositions, par ses musées nationaux. Et puis, par ailleurs, certains Aixois cherchent aussi à rester durant l'hiver de façon à assurer un service public, je dirais. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de tamponner cet effet de saisonnalité, c'est de favoriser aussi des activités nouvelles qui s'inscrivent dans le temps tout le long de l'année. Et c'est peut-être aussi de définir un modèle touristique un peu différent. Et je crois que les différentes initiatives que nous avons pu illustrer au cours de cette semaine passée sur l'IDEX témoignent de cette volonté. Ce carnet de terrain à l'IDEX se termine. Vous pouvez retrouver cette émission, mais également ses bonus et l'ensemble des résultats du projet IDEIL sur le site id-il.fr. On vous laisse avec les images du repas des artisans. À bientôt. Ne me dites pas qu'à peine éclose, la fleur de l'âge se flétrit. Je vis avec ce genre de rose au parfum tout juste fleuri. Le temps qu'il a mis à figer sur son regard quelques ridules. D'autres ont tenté de les cacher en maquillage ridicule. Et sur la jeunesse suppose quelques atouts innocents.